Bonjour à tous, une petite vidéo où on va transformer cette bouteille en joli vase. Alors j'ai tout nettoyé, maintenant j'essuie l'intérieur, voilà, j'ai bien lavé. Bon, c'est pas grave s'il reste la colle du scotch qu'il y avait dessus, c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris de l'alcool, bon c'est de l'alcool à 70, c'est pour dégraisser, hein, j'ai tout nettoyé. Et là, j'ai commencé à mettre du gesso. Vous voyez, là je continue. On va mettre toute une couche de gesso. C'est de la couche primaire, vous voyez, une peinture d'accrochage. Je sèche avec mon super sèche-cheveux que j'utilise pour mes activités. Une fois que c'est bien sec, là j'ai nettoyé mon assiette et avec mon éponge toujours, je vais mettre de l'acrylique, de la peinture acrylique noire. On va venir tapoter comme ça. Et on en met partout, voilà. Donc on fait ça deux fois, en fait, deux couches. Hein, et vous voyez, je prends toujours le sèche-cheveux, ça sèche super vite. Et je remets une deuxième couche, pareil. Ensuite, je vais sécher avec le sèche-cheveux. Voilà, une fois que ce sera prêt, ça nous donne ça. Voilà, ça fait déjà joli. Et c'est intentionnel si j'ai pas fait le haut parce que j'ai voulu l'entourer de cordes comme ça. Alors je vais entourer de cordes et vous voyez, entre temps je mets un petit point de colle chaude, hein, et j'en mets bien généreusement pour que ça fasse une certaine épaisseur. Et je finis avec une pointe de colle tout autour et bien au bord, en fait. Donc voilà, bien au bord, ça nous donne quelque chose de propre. Je vais couper tout ça, coller. Et voilà, ça nous donne ça. Et ensuite, avec un briquet, on va enlever tout ce qui dépasse, en fait. Voilà, voilà. Et en fait, si j'ai fait tout ça, c'est justement... si vous avez vu la vidéo précédente sur mon haul Temu, j'ai acheté ces super stylos. Et c'était surtout pour faire le test, en fait, de ces stylos. Et vous allez voir... Bon, je prends pas cette mine, elle est trop petite. Mais celui-ci... Mais regardez, mais c'est trop bien. Trop bien. Alors... Tout de suite, j'ai mis le doigt dessus pour voir et ça sèche, mais instantanément. Mais c'est de la balle, ces trucs. Donc, je valide complètement ces stylos. Franchement, trop beau. Mais voilà, ben, ça me fera un vase en plus. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et franchement, je valide ces stylos achetés chez Temu, franchement. Voilà, voilà pour cette vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bye, bye, bye.